Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur l'antenne d'Ici et Maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-6opinion.info. france-6opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Et c'est le numéro que Bachir a composé. Bonsoir Bachir, comment ça va? Bonsoir, ça va. Et toi, David? Excellent, je te remercie beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Oui, concernant donc le problème des USA, enfin des gouvernements USA, bon, c'est vrai que c'est un problème qui date depuis très très longtemps. Ils ont créé une sorte de matrice au niveau mondial, de telle manière que qu'il n'y a plus moyen de pouvoir, enfin, ils se sont, c'est comme des aliens, quoi, ils se sont incrustés dans toutes les branches des pays, en Europe, ils ont, pour la création, enfin, les traités, ils ont introduit des tests, des articles pour emprisonner les nations, pour les endetter, pour les empêcher de modifier des trucs qui ne vont pas. Ils génèrent des guerres. Là, en ce moment, il y a des guerres de l'immigration au niveau, je ne sais plus si c'est Venezuela vers la Colombie ou l'inverse. Je sais pas, à mon avis, ça doit être un truc créé par les Américains. Donc il y a pas mal de problèmes. Donc c'est impossible de faire quoi que ce soit. Bon, la seule manière de faire, c'est déjà, bon, même pour ceux qui s'en éveillent, une fois qu'on comprend le truc, il faut c'est la destruction de tout le matériel qu'ils ont mis en place, quoi. Et ça, c'est perdu d'avance, quoi. Donc il faut que les pays eux-mêmes se mettent s'organisent, mais ça, ils sont tous pris à la gorge. Ils ont donc en fin de compte tout est perdu, quoi. Alors il y a le phénomène de l'immigration, justement, qui crée des divisions, qui fait sortir les extrémismes. Au niveau de l'environnement, bon, ben, rien n'est fait au niveau de bon, les fuites des capitaux, c'est eux qui mettent en place les fuites et qui mettent en place qui créent les paradis fiscaux. Donc
crois qu'il va falloir faire un reset mondial, de tout remettre à zéro. Et bon, bah, on n'espère pas que ça soit trop mal. Mais enfin bon, ça va être un peu dur dur quoi. Il va falloir. Alors l'Amérique au niveau du réchauffement climatique, c'est New York. Bon ben, il risque, enfin, pour les habitants malheureusement, bon, qui vont subir le gel glacial quoi, qui va tout paralyser quoi. Donc ça va être, bon, les pays européens aussi, hein, jusqu'en Angleterre, des risques de glaciation qui va se mettre, parce que bon là, parce que la Terre génère un équilibre thermique, et pour réguler quand il y a un réchauffement, il y a un système de refroidissement qui se fait pour se mettre en équilibre. Sauf que si parce que bon, la Terre est à l'intérieur, il y a le magma, et les pôles nord et pôle sud créent un équilibre thermique. Et donc si cet équilibre, alors je sais pas, c'est très très scientifique quoi, c'est par rapport au le refroidissement des pôles, peut se faire par l'atténuation, enfin les pays tempérés, pardon, c'est le courant de Grand Swing. Qui crée le courant de Grand Swing, et s'il s'arrête par le fait qu'il y a trop d'eau, l'eau est moins salée, donc les courants chauds ne vont plus vers New York et l'Angleterre, donc il y a un refroidissement. Enfin, c'est une explication scientifique. Bon, on sort du sujet, bien sûr, mais bon, tout est lié, hein, de toute façon. Le refroidissement politique crée un réchauffement militaire. On est dans la merde. Enfin, je me marre, mais parce que bon, vivons ici et maintenant. De toute façon, c'est la prise de conscience. Si chacun de soi génère une vision positive et génère des pensées positives, ça va, la pensée créatrice, comme disait dans Énergie positive, une émission là. Donc ne sombrons pas dans l'amertume ni dans la négativité, restons voilà, soyons productifs, créatifs. Alors, bien sûr, ça demande aussi un minimum d'intelligence, enfin, ou de réflexion. Parce que c'est vrai que par rapport au phénomène de la montée des extrémismes, c'est que, bon, il y a les têtes au pouvoir qui comprennent, mais ceux qui réagissent, qui votent pour eux, je sais pas s'ils ont vraiment compris que le problème, c'est pas les immigrés. C'est comme si, par exemple, vous avez un tsunami, donc il y a les vagues qui vont déferler sur sur le continent, et va dévaster tout. Et c'est comme si on accusait les vagues d'être dévastatrices, mais on ne comprend pas que ces vagues-là, c'est un séisme qui a créé ce tsunami quoi. Et donc le séisme, c'est ce système financier qui crée un tsunami. Et donc si on laisse ce séisme à chaque fois, si ces minorités créent des séismes, on aura toujours des systèmes, des vagues, voilà, des vagues d'immigration. Là, pour l'instant, c'est des petits tsunamis, mais il peut y avoir des gros tsunamis, quoi. Des grosses vagues d'immigration. Voilà, enfin bon, j'ai un peu exprimé
que j'avais à dire. Bon. Oui, mais à ton avis, la question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi après plus de 70 ans, l'Europe n'est pas capable de jouer son politique indépendante par rapport aux États-Unis? Pendant 70 ans, même plus, 73 ans, on a payé les Américains pour leur courage de sauver l'Europe contre les nazis. Mais pourquoi toujours on doit être obéissant au bout de papier, nommé dollar, comme Général de Gaulle il a dit, et être obéissant envers les Américains? Pourquoi en Europe il n'y a pas un mouvement, une force populaire qui doit réclamer ça, à ton avis, Bachir? Oui, c'est ce que j'avais un peu expliqué peut-être par rapport au fait de la constitution de l'Europe et des traités. C'est-à-dire que les gens sont vraiment bêtes de se mutiler eux-mêmes. L'Europe se mutile elle-même dans des traités, des articles, au lieu de se mettre en place des systèmes qui se renforcent. Ils mettent des lois qui s'autodétruisent eux-mêmes, qui ruinent les nations une à une, par des systèmes d'endettement. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans un pays, il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça change, au lieu de faire changer qu'un seul pays. Le pays n'a pas le droit de changer son système, donc il va s'écrouler. Parce que si on change un truc, les autres, ça va désavantager les autres. Donc l'Europe ne peut pas rivaliser avec des forces qui, eux, ont les pleins pouvoirs, leur pleine maîtrise, tandis que l'Europe a perdu sa propre maîtrise. Puisque ce sont des blocs de nations qui sont complètement, qui ne peuvent pas se mouvoir indépendamment ou dans une cohésion intelligente. Elle s'est mise dans des fracas concurrentiels, elle s'est mise voilà, dans des. Ils n'ont pas réglé les systèmes de législation ou de juridiction. Pour chaque pays qui soit cohérent. Donc, il y a un problème de perturbation. C'est comme si quelqu'un qui est né avec un problème mental, il est obligé après d'être aidé. Donc, il y a les aides des Américains qui eux-mêmes ont créé ces perturbations et qui gèrent ou pas, c'est pas une aide, c'est une comment ça, une exploitation, je sais pas comment le dire, quoi. L'Europe est prisonnier même de ses propres articles qui ont été suggérés par des financiers Goldman Sachs. La Grèce est rentrée avec Goldman Sachs alors que la Grèce ne pouvait pas, n'avait pas les moyens de rentrer. Et donc il y a eu toute une magouille américaine. C'est le alien qui est rentré dans le corps européen, quoi, et qui bouffe tout, quoi. Il va falloir sortir l'alien. Alors par contre, il faut sortir l'alien avec douceur, parce qu'ils ont pris ils sont dans des points névralgiques. On peut pas arracher un alien, parce que sinon ils arrachent les nerfs du cerveau et on meurt, quoi. Voilà ce que je veux dire, pourquoi on peut pas. L'Europe est impuissante. Et ce sera le. Jean-Pierre, non, c'est pas Jean-Pierre, hein, mais ce sera notre dernier mot, quoi. Enfin, ça rapporte pas des millions, mais voilà, quoi. Ben, je voulais, j'espère que d'autres vont pouvoir donner d'autres explications, hein, parce que c'est une explication parmi 1 milliard, donc on est 7 milliards, pardon.
Donc, c'est mon point de vue. Et bon, à chacun doit donner son point de vue. David Abassi, ils sont pas 7 milliards à vous téléphoner, c'est dommage, mais bon, ils doivent l'être à vous écouter, en tout cas. Merci. Si, merci Bachir. Merci, ça c'était Bachir sur 95.2 FM. Et la question est très importante. Vous savez, c'est nouveau ce qu'on vient de le lancer. Après 3 quarts de siècle, nous avons payé assez notre endettement aux Américains, avec tous les respects que nous avons pour l'Amérique, la grandeur de l'Amérique, que la France a fait cadeau de statut de la liberté et la faillite. Il a participé dans la libération de l'Amérique, et nous aussi, c'est-à-dire nous, quand je dis voilà. On est franco-persan, moi. La France a participé dans la libération de l'Amérique, mais il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé pendant 70 ans d'être payé. Le geste que la France a eu envers l'indépendance de l'Amérique est historique. Cet respect que nous avons pour la civilisation moderne des États-Unis à sa place, mais l'Europe doit retrouver son indépendance économiquement, politiquement, culturellement, comme plupart des artistes. Aujourd'hui, ils ont signé 200 personnes en tribune dans le journal Le Monde pour sauver le monde. Ça concerne ça. Ça concerne d'être en faveur de la nation, de la patrie, et en même temps que nous pensons à l'Union et au monde entier, mes chers amis. Sur 95 FM, notre numéro 08 92 23 95 20, j'ai le plaisir de recevoir Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir, bonsoir Monsieur Abassi. Je téléphone, j'ai écouté le début de l'émission et j'ai entendu une montagne de certitudes se déverser sur l'antenne. Une personne qui parlait avec une telle conviction que c'était on était submergé par le flot de ses affirmations. Alors ce qu'il en découlait en fait pour je vais dire en résumé, c'est-à-dire qu'on est sous une dans un impérialisme américain et c'est très bien comme ça. Hein, c'est le meilleur des mondes possible pour le monsieur. Moi, je ne sais pas si un impérialisme russe ou chinois serait mieux, ça m'étonnerait. Mais de là à me faire le chantre de l'impérialisme américain, il y a quand même une légère marge. Je crois qu'il faut être d'un égoïsme incroyable d'avoir son beefsteak dans son assiette tous les midis. Pour se dire, on est dans le meilleur du monde, dans cette espèce hyper capitalisme et libéralisme qui s'installe sur la planète. Moi, j'ai un journal, la Tribune, c'est un journal suisse, qui chiffre à peu près à 350 milliards de dollars qu'on devrait dépenser si on voulait en finir avec la faim dans le monde. Je rappellerai à ce monsieur que le PIB des États-Unis est de 18 000 dollars.
Le PIB de l'Europe est de 16 700 milliards. Les deux font 34 700 milliards. Donc sur ces 34 700 milliards, si l'impérialisme américain si plein de vertus que vante Bruno acceptait de dépenser 700 milliards sur ces 34 700 milliards, il n'y aurait plus de faim dans le monde. N'ayant plus de faim dans le monde, il y aurait beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de tensions, de jalousies, et ça irait beaucoup mieux. Il faut vraiment être habité dans sa petite rue à Garches-lès-Gonesse pour arriver à trouver qu'on est dans un système parfait sous l'impérialisme américain. C'est quand même... Bon, je veux dire, je vais pas trop répondre à ça parce que je n'ai pas l'espoir de faire changer la vie à ce monsieur, mais bon, mais c'est quand même assez surréaliste hein, d'entendre des choses comme ça. Moi, ce que je peux voir, c'est que les États-Unis maintiennent leur suprématie à la surface de la planète en créant et en entretenant les tensions dans toute la planète. Ils entretiennent une tension artificielle entre l'Europe et la Russie. Ils entretiennent des tensions dans le Moyen-Orient et en Afrique. Tout ça pour conserver leur hégémonie. Et certains ne voient pas ça et voient que en fait l'Amérique pense que l'Amérique est le seul pays en paix dans un monde en guerre, alors que c'est très souvent l'Amérique qui est responsable des conflits dans le monde par cet état de tension qu'elle entretient et toutes ces... Bon, il a d'ailleurs noté le fait que l'Amérique, au départ, avait aidé les talibans contre la Russie. Ça veut bien dire quelque chose quand même. C'est-à-dire que ceux qui sont au départ de cette doctrine qui l'oppose au système américain, c'est comme les Américains qui ont créé les talibans. Et alors maintenant, selon Monsieur Bruno, c'est l'islamisme qui est le principal opposant aux Américains. En fait, c'est plus les Américains seront, plus le système libéral sera fort, et plus le système djihadiste se renforcera en proportion quoi. Voilà, parce que le système libéral crée la misère sur la planète, et les gens qui sont envahis par la misère souvent sont sensibles à une certaine doctrine quand c'est fait d'une façon très maligne, comme ils savent le faire. Puis alors bon, la dernière chose est non la moindre, le pays, le système qui est en train de détruire la planète, de détruire détruire l'équilibre de la planète et mettre en péril la survie de l'homme, c'est le système libéral, c'est l'hypercapitalisme. Le système de marché planétaire pour les grandes entreprises, les multinationales, aux dépens des économies des pays. Et c'est ce système-là, avec son système de croissance, de production intensive, toujours de croissance en avant et d'hyperconsommation, qui est en train de détruire la planète. Et ça, c'est peut-être de tous les crimes de l'humanité, depuis l'âge de pierre jusqu'aux années 2000, c'est peut-être le plus grand crime qui est en train d'être commis en ce moment, auprès desquels les crimes dont on a assisté avant, c'est-à-dire le Staline, Hitler et tout ça, ont moins d'impact sur la planète et sur la misère qui va s'installer que le crime qui est en train de commettre l'hyper-réalisme américain. Mais il faut être bouché à l'émerie pour ne pas s'en apercevoir. Je ne sais pas si c'est bien passé parce que moi j'ai un écho terrible dans les oreilles et je m'entends à peine parler.
Non, on vous attend bien, hein. Vous avez bien Ah, parlé. d'accord. Vous avez bien parlé. On a entendu. Je crois que vous avez terminé quand même ou non? Ben oui, moi je simplement prenez ces deux chiffres. L'Europe et les États-Unis, 34 700 milliards, et pour réduire la faim dans le monde, 700 milliards. Pourquoi ils ne le font pas, ces êtres de lumière, ces êtres si évolués? Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ce système ne fait pas, ne donne pas cet argent, surtout que ça aiderait quand même à réduire beaucoup les tensions et à ce que la planète aille mieux. Voilà, oui, j'ai terminé, monsieur Abbassi. Je vous remercie de m'avoir laissé parler. Bon, je n'espère pas convertir monsieur Bruno. Merci, non, vous avez la parole, c'est démocratie, chacun peut s'exprimer, donner ses chiffres. Et merci beaucoup, merci Bruno, au revoir. Bonsoir. Vous avez la parole sur le 95 FM, mes chers amis. Beaucoup de visions, beaucoup d'idées. Vous savez, dans chaque pays, il y a droite, gauche, centre. Il y a extrême droite, extrême gauche, etc. Ça, chacun ses idées. Et ici, si vous respectez les règles de démocratie, alors vous avez la parole avec grand plaisir. Seulement les propos racistes, fascistes, on ne doit pas le prononcer. On ne doit pas attaquer des attaques personnelles envers les gens, mais vos idées, c'est avec grand plaisir que vous pouvez vous exprimer, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Voilà, 08 92 23 95 20, c'est JJ qui a composé notre numéro et Farid. JJ, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, et bonsoir Farid. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bonsoir. Allô JJ, Farid, c'est JJ. On va vous écouter, JJ. Allez, avec Farid, je veux passer chacun 2 minutes, 2 minutes, allez. D'accord. Il y a Farid aussi. Oui, Farid, il vous attend. C'est pas grave, vous pouvez rester pour parler 2 minutes. Après 2 minutes, je donnerai à Farid, etc. D'accord. On vous écoute, JJ. Alors, je suis plutôt d'accord avec Bernard et puis Bachir. Le premier auditeur a parlé de la doctrine Monroe. Moi, je me souviens qu'il y avait aussi la mention qu'il fallait pas toucher à l'Amérique du Sud. Il parlait d'ailleurs de Back Garden. Et en gros, vous ne touchez pas à l'Amérique du Sud et après on sera copains, quoi. En gros, c'est du colonialisme avant l'heure, mais bon. Je trouve que les États-Unis, c'est pas vraiment un modèle, parce qu'ils ont quand même commencé le génocide des Indiens et puis l'esclavage des Noirs. Quand on sait que la Constitution commence par All men are created equal, hein, les hommes sont créés dans l'égalité, mais ça excluait de fait les Indiens et les Noirs. En 17, pendant les guerres, ils sont intervenus un peu tard. Ils ont attendu que l'Europe s'épuise, comme ça ils allaient se ménager un marché pour plus tard, quoi. Ils commençaient à établir les bases, les briques de leur futur impérialisme. La bombe atomique, Little Boy, c'est plutôt du cynisme, me semble-t-il. Et puis l'intervention, le chapeau était battu. Et je crois me souvenir qu'on m'avait expliqué en histoire que c'était pour empêcher les Stalines d'envahir le Japon. Je crois qu'il y avait eu un traité qui avait été passé, un accord qui avait été passé.
les États-Unis avaient fait pour empêcher les Soviétiques d'intervenir. Ensuite, bah, pour l'Europe, tu as posé une bonne question. Ce que je remarque, c'est que dans l'actualité récente, l'Iran, bah, les Européens, ils doivent obéir. C'est-à-dire que nous sommes littéralement à la botte des États-Unis. C'est, on se retrouve avec des profs, avec des élèves, quoi. C'est total. C'est assez. Enfin voilà. C'est, je crois que les États-Unis, c'est un impérialisme. On lit ça dans tous les livres d'histoire. Et j'aurais du mal à croire que les États-Unis sont faibles, que les Européens leur doivent tant. Je suis pas d'accord. Ils dominent beaucoup là. Hein. C'est l'impérialisme actuel, même s'ils commencent à donner quelques signes de faiblesse, avec notamment la. La dépense, je crois que le déficit, les Chinois possèdent une partie de l'économie américaine. Enfin bon, ça, c'est, je vais pas rentrer dans le détail parce que je connais pas bien. Mais bon, voilà, quelques éléments pour dire que les États-Unis, c'est pas vraiment loin d'être un modèle, quoi. Et en tout cas, pas un modèle de démocratie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, merci, Farid. Allez, on vous écoute, Monsieur Farid. Bonsoir, Farid. Bonsoir à tous. Oui, on vous écoute. Ouais, j'entends un écho. Hein. Alors, je sais pas si c'était dans une cathédrale ou dans une mosquée, mais il y a un écho. Bon, je vais essayer. On vous écoute. Il n'y a pas d'écho. Allez. Voilà. On vous écoute. Alors, je crois que l'intervenant là, Bruno, avait dit de toute façon choisir entre le nazisme ou l'impérialisme américain. Il choisit l'impérialisme américain. C'est-à-dire, c'est choisir entre la peste ou le choléra. Et moi, je veux ni l'un ni l'autre. Et il y a peut-être une troisième voie. Que l'Amérique s'occupe de ses ouailles dans son territoire. Déjà, comme a dit l'intervenant précédent, ce n'est pas vraiment son territoire, parce que c'est un territoire qu'ils ont exterminé tous les Indiens, peaux rouges, comme des pauvres malheureux, ils les ont exterminés. Et maintenant, ils veulent dominer le monde entier avec un esprit capitaliste, et ils sont prêts à s'allier avec les pires dictatures du monde arabe, telles que l'Arabie Saoudite, qui font des exécutions tous les vendredis sur la place publique, et qui n'ont respectent aucun droit de l'homme, qui se disent musulmans ou wahhabistes, qui ont manipulé les talibans contre, comment on appelle ça, contre les communistes, les soviétiques, avec les Américains, et aujourd'hui, ils s'attaquent aux talibans, en fin de compte, ils se servent de l'un pour taper sur l'autre, et puis après, ils l'écrasent. En fin de compte, leur seule finalité, c'est d'être les dominants de la planète. Et heureusement, il y a quand même la Russie, ils ne peuvent pas vraiment faire tout ce qu'ils veulent, et puis il y a la Chine, même si la Chine, elle se met un peu à l'écart, elle observe du coin de l'œil, en se disant, bah, tant que vous ne me touchez pas, moi, il n'y a pas de problème, mais faites gaffe. Et je crois que de toute façon, je parle pas du peuple américain, mais je parle des gouvernants, c'est le capitalisme sans limite. Et d'ailleurs, ils se sont bien accommodés, après la 39-45, de recruter tous les anciens nazis, des scientifiques nazis, pour élaborer leurs bombes nucléaires. Bon, on dira que les Russes en ont fait autant. Donc, en fait, au bout du compte, peu importe la personne avec qui on s'allie, du moment que ça paye pour eux. En fin de compte, leur seule finalité, c'est d'être les maîtres du monde, et ils sont prêts à exterminer n'importe quel peuple du moment que ça, c'est dans leurs intérêts. Donc ils n'ont pas du tout un point de vue humaniste, ils ont un point de vue de profit, c'est-à-dire le capitalisme sans limite. Donc les Américains, je pense, je parle des gouvernants, non, depuis que je m'intéresse un peu à la politique, ont toujours été à l'origine des guerres, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, et même en Asie, puisqu'il est au Vietnam. Donc j'ai pour impression que d'idéaliser comment on appelle ça, le capitalisme, l'impérialisme américain, ou le nazisme, les deux sont mauvais. Il y a une troisième voie, et je ne sais pas comment on va la trouver, mais peut-être que grâce à la France, peut-être l'Allemagne, la Russie, les peuples, je parle, peut-être qu'ils vont faire une opposition à ce capitalisme débridé. Voilà,
Et les musulmans, bien entendu, sont pas tellement pris en compte puisqu'ils ne représentent aucune force. Ils ont du monde, ils sont nombreux, mais économiquement et technologiquement, ils représentent rien du tout. Et on veut pas d'ailleurs qu'ils deviennent puissants un jour, puisque dès qu'il y a un pays qui commence à émerger, on lui trouve un truc pour lui refaire la guerre, telle que l'Irak et l'Iran. La guerre d'Irak-Iran. Donc, ce qui les arrange, c'est surtout avoir la domination sur le monde, et De Gaulle l'avait bien compris. Même s'ils ont payé un tribut pendant la guerre 39-45 contre le nazisme, il ne faut pas oublier que les Russes ont perdu 25 millions, ou même plus, de leurs soldats, quoi, de leurs militaires. Donc, il n'y a pas que les Américains qui ont contribué à vaincre le nazisme. Pas l'oublier. Allô? Oui, Farid, oui, ce que Bruno aussi l'a dit, c'est-à-dire troisième solution, c'est, ou même deuxième, c'est les islamistes, c'est l'intégrisme et le terrorisme. Et deuxièmement, si on parle de l'Europe, malheureusement, c'est ça qu'on a dit plusieurs fois, même j'ai dit tout à l'heure, en Europe, il n'y a pas un général de Gaulle. Même général de Gaulle, à son époque, il était seul. Il était seul et après ils ont programmé la révolte de 68. Comme vous savez, de demain, Daniel Cohn-Bendit va être ministre en France. C'est-à-dire, c'est pas facile non plus qu'en Europe on trouve quelques dirigeants qui auraient le courage de faire courage que toi tu demandes aux autres aussi, bien sûr, faire face aux Américains. Et voilà, il fallait dire parler et il est parti. Il ne m'a pas écouté, parce que peut-être tu pouvais nous répondre après, puisque là, nous sommes là pour dialoguer ensemble, mes chers amis. Et c'est vrai que quand on dialogue, hein. On dialogue, et mes chers amis, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Ce que je voulais vous dire, c'est que démocratie, c'est ça. Notre radio, c'est l'exemple, grâce à Didier Doplège, mon ami, que je le salue. Bonsoir Didier, comment va? Grâce à Didier Doplège, cette radio, ça vous donne la parole depuis presque 40 ans. Presque 40 ans. Et démocratie, c'est quoi? Et la parole, c'est quoi? Tout le monde ne peut pas être pareil. Il y a variation d'idées et variation d'opinions. Et vos opinions, quand c'est dans la limite de respect de l'individu et de l'autre et droit de l'homme, c'est bienvenu. Comme dans le pays, il y a plusieurs partis politiques, il y a de Mélenchon jusqu'à Macron, Sarkozy jusqu'à Wauquiez, Le Pen, etc. Vous pouvez vous exprimer. Exprimez-vous et cette antenne vous donne la parole. Pas de problème. Bonsoir, c'est qui? Comment vous appelez-vous? Oui? Allô? Oui, c'est JG de nouveau. JG de nouveau. On vous écoute, JG. C'est JG. Oui, je vous écoute, JG. Allez-y. Allez, JG, le son est très faible, s'il te plaît. Éteins ton radio, écoute à partir de ton cabinet de téléphone et tu parles. Bonsoir, JG. Voilà, bonsoir. J'apprécie ton rappel sur les principes de ce qu'est la démocratie. Encore une fois, je suis plutôt d'accord avec les intervenants précédents et notamment avec Farid. Je ne pense pas que les États-Unis sont un modèle de démocratie. C'est plutôt un modèle de pays qui veut imposer son pouvoir et sa puissance. Et ce qui me frappe ces derniers temps, c'est sur l'aspect économique de la chose. Je crois que tu es au courant, les États-Unis ont demandé on n'en parle jamais d'ailleurs aux informations, c'est révélateur. Les États-Unis ont demandé des amendes absolument exorbitantes, notamment à une banque allemande et puis à la BNP, parce que soi-disant, ils n'auraient pas respecté des accords que les États-Unis avaient passés. Donc, de fait, les États-Unis dominent le monde, ils contrôlent.
Et je pense que c'est des gens qui sont très cyniques, qui ont beaucoup de grande soif du pouvoir. Alors, je suis entièrement d'accord avec Farid. Il est vite évident que c'est pas les Américains. Hein. Le pauvre type qui essaie de survivre avec des vagues d'allocations de chômage pour ce qu'il en reste, il est évidemment pas coupable de la politique qui est menée. Et j'ajouterais d'ailleurs que sur la politique, malheureusement, les démocrates et les républicains marchent un peu main dans la main, quoi. Quand on pense qu'Obama avait eu le prix Nobel de la paix juste après avoir envoyé, je crois, 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, quoi. C'est quand même un comble. Donc j'ai vraiment du mal à leur trouver des excuses. Vraiment, c'est peut-être méchant de ma part, mais voilà, je les trouve tout à fait désagréables, pour le moins. Voilà. Pour aller dans le sens de Farid, Bachir et Bernard. Ok, merci de préciser ça, au revoir. Voilà, mes chers amis, vous avez la parole. L'important, c'est énorme, c'est-à-dire, dans ce monde-là, jour après jour, l'économie va mal, et les gens n'ont plus les moyens comme avant. C'est vrai, il faut réfléchir pour trouver des solutions révolutionnaires. Mais pour répondre à Gigi, tu sais, cette histoire des amendes, c'est David qui l'a dit depuis un an et demi, même histoire de Panama Papers. J'étais au courant, même en 2013, 2012, j'étais au courant de Panama Papers. Il y a des preuves, etc., etc. 11 milliards de dollars, c'est BNP qui a payé des amendes sans passer devant la justice, et plusieurs d'autres milliards de dollars, Crédit Agricole, a payé, après il y a d'autres banques françaises aussi, comme Société Générale qui est dans le coup de Panama Papers avec Crédit Lyonnais, filiale de cette banque. Tout ça, ça existe, et tous ces amendes-là, ça a été payé. Mélenchon, est-ce que vous êtes militant de Mélenchon? Écoutez, Mélenchon et Eva Joly, ils ont fait des pétitions. Plusieurs centaines de milliers, ils ont signé. Après, il y avait une justice, comme quoi Société Générale devait rembourser plusieurs millions de dollars à l'État français, l'aide qu'il avait pris après les tricheries qu'ils avaient dans le Panama Papers. Où est-ce qu'on est? On ne sait pas. On ne sait pas. Allez-y, cherchez-le. Cherchez le dossier et parlez-en. Après, d'autres dossiers de Panama Papers ont été étouffés au Sénat, par le patron de Sénat. Il y avait Madame Assassi, sénatrice, avec un groupe de 10 personnes qui étaient derrière cette dossier de Panama Papers, que d'Israël jusqu'à la France en a perdu dans cette affaire, parce qu'il faut aller chercher toutes les guerres qu'ils ont financées, Ahmadinejad qui était dans cette coup-là, beaucoup d'autres, etc. Allez-y voir, beaucoup de sociétés qu'on avait créées, c'était à l'époque d'Ahmadinejad en Iran, antisémite, anti-Israël, pourtant ça s'était étouffé. Vous qui vous toujours vous parlez comme quoi c'est les Juifs, c'est Israël et tout ça. Non, un des grandes victimes, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit, de Panama Papers, c'est l'Israël, puisque les deux guerres contre Israël qui a été fait par les Hezbollah libanais, le financement s'était fait pour payer les missiles de la Russie, après c'était fait par le Soudan, c'était fait par la Syrie, c'était fait par beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire vous ne voyez pas exactement le même pays, c'est pour ça que l'histoire, il s'agit de plusieurs millions de papiers concernant le Parlement privé. Plusieurs milliards en a payé des amendes sans passer devant la justice, si c'était payé de votre poche. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, M. Mélenchon, avec la pétition qu'il a fait signer? Pourquoi il n'a pas suivi ça réellement? Mais pourquoi on n'en parle plus de ça? Tout ça, c'est des questions que c'est le peuple qui doit aller chercher la réponse, mes chers amis. C'est vous qui devez aller chercher la réponse. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir. Oui, je te prends tout de suite en direct. C'est qui? Allô? Zlata. Oui, c'est qui? Oui, bonjour, je m'appelle Zlata. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Alors, écoutez, vous devez éteindre votre radio, s'il vous plaît,
Et vous devez éteindre votre radio et écouter à partir de combiné de téléphone, puisqu'il y a un décalage de quelques secondes. On est là pour vous écouter. Comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, je m'appelle Zlata. On vous écoute, Zlata. Je salue tout le monde et je remercie Bachir, Bernard, Farid et Gigé de m'avoir permis de garder un petit peu mon calme, parce que je vous avoue que je suis désolée, parce que je suis submergée par l'émotion. J'explique, si l'Europe est à genoux, c'est possible, mais justement, s'il est à genoux, c'est parce que les mensonges des États-Unis sont distillés partout au monde entier, et notamment par les excités de service comme Bruno. Je suis désolée, je ne suis pas une amatrice des attaques personnelles. Bon, c'est bien moins méchant que nous traiter d'idiots, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, hein, vous admettez. Je ferme la parenthèse. Donc, le rôle des États-Unis dans les autres guerres et puis l'économie, je laisse ça à l'Assemblée des hommes d'en parler, parce que vous êtes plus compétents que moi. Moi, je n'ai pas connu mon grand-père, qui a donné sa vie pour qu'on vive en paix, lui et les autres. Pas seulement ceux qui vivent dans les pays miséreux, comme la mienne, je viens de savoir que je viens d'un pays miséreux. Et beaucoup d'autres pays, les Européens, beaucoup de gens bien, ont sacrifié leur vie pour que le fascisme ne soit pas régnant, pour que le fascisme ne règne pas sur le monde. Et pour que les Juifs et les autres, je vous rappelle qu'il n'y avait pas que les Juifs, les Français, tous les Slaves, les Tziganes, et je crois plein d'autres peuples étaient dans la liste juste derrière. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les États-Unis entrent en guerre une fois que le vainqueur est bien défini et clair, et ils viennent pour ramasser tout ce qu'ils peuvent ramasser comme bénéfices, avec les mensonges et manipulations. Aussi, autre chose, les États-Unis qui ont soi-disant donné, et vous, monsieur Abbassi, vous dites... Oui, quand même, on peut, voilà, ça y est, on a remboursé la dette. Ils n'ont jamais donné. Ils prêtent. Quand on vous donne l'argent et qu'on vous prête l'argent, ce sont deux choses très différentes. Alors, je viens d'un pays qui n'a jamais été communiste. On a dit que le communisme n'a jamais été construit chez nous. C'était un pays socialiste, on va dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais eu de chômage. On vivait peut-être plus pauvrement qu'en Europe. C'est où, c'est quel pays? Je viens de l'Union soviétique. Excellent, on vous écoute. Donc, ce qu'on m'a appris chez moi, c'est que si tu travailles, tu as le temps salaire. Si tu bosses dur, tu vivras mieux. Alors, bien sûr, il n'y avait pas de luxe. Après la guerre, le pays était démoli. Donc, ça prend le temps de se reconstruire, évidemment. On n'avait pas des choses en excès, mais on savait qu'on pouvait vivre en travaillant sans voler. Sinon, les grandes fortunes, aux États-Unis notamment, il faut encore prouver que c'est le travail qui paye. C'est plus le vol et la malice qui payent, d'après moi. Donc, je ne suis pas là pour faire de la propagande. Mais les mensonges, ça me rebute. Et le montant de mensonges qui a été fait là ce soir, je ne sais pas comment le démonter, sinon en disant que le postulat du départ était faux. Les États-Unis n'ont jamais gagné ni de la Deuxième Guerre mondiale, ni les autres. Ce sont des parasites qui se greffent sur le dos de ceux qui ils peuvent, parce que c'est des gens très malins. Hein, comme toujours, évidemment, le peuple n'est pour rien, mais les gouvernants de ce pays ont bien montré qu'ils n'ont rien à faire ni de leur pays, ni des voisins, ni des autres. Et la politique interventionniste dans les autres pays marche aussi parce qu'il y a cette mentalité d'esclave, dans tous les pays d'ailleurs, qui fait dire que, voilà, ça c'est un exemple, on va suivre cet exemple-là, il n'y a pas d'alternative. Et pourquoi pour chaque pays, il faudrait un modèle qui devrait s'imposer? Chacun vit comme il veut chez lui, après tout. Et les États-Unis, bon voilà, Bruno, c'était les feuilles de l'histoire, les feuilles d'Emmanuel de l'histoire, par pitié. Parce que vraiment, il faut que vous révisiez un petit peu. Je comprends votre émotion, mais je vous souhaite de gagner la présidence des États-Unis après Trump alors. C'est peut-être ça la meilleure solution pour vous. En tout cas, voilà, je vous remercie, j'espère que j'étais pas trop émotive, et puis c'est bien de réfléchir aussi, et puis il n'y a pas peut-être la vérité pour tous, mais il y a quand même la justice, la justesse, et puis chacun a sa vérité, mais il y a des vérités qu'on ne peut pas contredire. Apparemment, Bruno, ou la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas, j'espère pour vous que ça va passer bien loin de vous, à côté. J'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, on a des conclusions très différentes, partant des faits apparemment... réel. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Abbassi, pour votre écoute.
C'est moi que je vous remercie beaucoup de votre intervention. Merci, madame. Ravi de vous recevoir. Et je veux vous remercier toutes et tous, vous dire que ce débat est ouvert sur l'antenne. C'est très important de pouvoir parler. Est-ce qu'après 74 ans, toujours on doit payer les Américains pour leurs interventions contre les nazis? Surtout qu'il faut pas oublier et préciser que la France a aidé les Américains pour leur indépendance. Et même, il a fait un cadeau, qui actuellement c'est le plus grand symbole des États-Unis, c'est le Mitra. C'est le statut de Mitra, c'est le statut de la liberté. Le statut de la liberté à Paris, à Paris 15e. À l'époque, on faisait des émissions au pied de cette statue sur l'instruction de Didier Duplèche, quand à l'époque, c'était très intéressant. Statue de la liberté qui était fait à Paris, une copie assez grande, c'était fait pour les Américains, pour New York, et cette statue, la tête, c'est Mitra. Comme vous savez, le culte de Mitra était toujours vivant en Europe, il y a déjà encore quelques siècles, et même aujourd'hui en cachette, nous avons des gens qui sont fidèles de Mitra dans la plupart des villes. Voilà, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je parle de Mitra et mitraïsme. Mais mes chers amis, s'il y avait une dette, même s'il y avait une prêts, crédits qu'ils ont donné, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont dépensé dans la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, pour exterminer les nazis, c'était facturé. Bien sûr, après 74 ans, c'était réglé, payé. Vous voyez, puisque le 12 septembre, c'était 74e anniversaire de cette histoire, et nous sommes trois, on était trois, maintenant c'est le 4 septembre qui a commencé. Permettez-moi de vous embrasser, vous dire au revoir, mais restez à l'écoute de votre radio, puisque les émissions de la radio ici maintenant, ça continue, mes chers amis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et je vous dis bonsoir à mon ami Didier Duplèche. Au revoir, mes chers amis, au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David.